Bien, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, une vidéo sur quelque chose de paraît très bête, mais qui est extrêmement, qui peut être extrêmement utile en fait en cas de besoin. C'est les tongeurs qui pour moi peuvent avoir une grande utilité dans votre salle d'évacuation, dans votre WC ou n'importe, vous pouvez bon nombre d'utilisations pour ces types d'objets. Vous pouvez avoir des boîtes avec des tongeurs de différentes tailles, les petits, les grands, les plus grands. En plus, vous pouvez avoir des systèmes de connexion qui peuvent vous faire quelque chose de plus grand. Vous pouvez, moi j'utilise ça pour accrocher la couverture suisse, l'armée suisse, pour le sac d'évacuation, puisqu'elle est quand même pas mal assez grande et le sac est quand même pas mal déjà assez plein, donc on se retrouve avec une couverture qui est quand même assez grande. Voilà, donc l'idée avec ces tongeurs, c'est qu'on peut vraiment trouver n'importe quel type d'utilisation, et puis en plus c'est mettre ça comme ça, cette évacuation là, si jamais la nuit vient tomber, vous pouvez là vous fixer avec un système de boost, etc. etc. Vous pouvez vous faire une ceinture, imaginez la ceinture à tête. Enfin voilà, le tongeur, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, que je recommande vraiment fortement avoir dans votre salle d'évacuation. Vous pouvez faire un lavis de fortune avec une vieille bâche, en tirant simplement des tongeurs, ce qui apporte quand même quelque chose d'excellent, parce que vous avez juste à tirer ça. Enfin, vraiment, le tongeur, pour moi, dans le sac d'évacuation, c'est un objet à valider, à penser. Après, il y a peut-être des choses négatives, mais en tout cas, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir son petit lot de tongeurs. Après, quelque chose à dire de plus sur les tongeurs, non, mais honnêtement, je pense en avoir dans son sac, je pense qu'il y a la paracord qui fait le taf, mais un tongeur, c'est vite déroutable, c'est vite tirer, et puis etc. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus hein, sur le tongeur, mais enfin, sachez même, moi, c'est validé. Voilà. Bien, je vais pas m'attarder sur le tongeur. Mais en tout cas, on peut vraiment. Enfin, ça peut être excellent. Après, à forte utilisation, ça peut légèrement devenir abîmé au bout d'un moment. Très rapidement. Mais bon, essayez de ne pas vous étirer. Voilà. Voilà, mes amis. C'est tout pour aujourd'hui. Question matos. Voilà. À la prochaine, mes amis.